Penses-tu que je devrais y aller avec toutes mes verrues en dessous des pieds, Alex? Ta gastro, tu l'as plus? Non, j'ai pris mon Imodium avancé. Hello people, comment ça va? Aujourd'hui, c'est le grand départ. On quitte Gatineau pour se rendre à... Sept-Îles, sur la côte nord. C'est un 12 heures de route au total qu'on a à faire. C'est pas à porte. C'est pas à porte, mais on va le couper en quelques... segments. Quelques arrêts. On va s'arrêter premièrement à Québec, qui est à 5 heures de route de Gatineau. Pourquoi Québec? Ben numéro un, parce que c'est le tiers de la route. Puis deuxièmement, on va en profiter pour aller voir... Alex et Val, de Prêt pour la route. Alex et Val. Ça fait longtemps qu'on les a vus. Ouais. Dans le fond, la dernière fois qu'on les a vus, c'était quand on est allé voir Aladdin et qu'on a fait d'Oasis Surf à Montréal. Fait que là, ça fait déjà un mois? Oh, deux, trois mois, je dirais. Facile. Ah ouais, hein? Ouais, facile. Ça va vite le temps quand même. Ça va vite. Fait que on va s'arrêter là, puis c'est ça. Puis on va poursuivre notre chemin par la suite. Là, MJ, elle a un mal de gorge. Ben oui. Moi, je voulais... J'ai fait mon perçage de nez, puis je me suis dit, ah, c'est le fun l'été, tu sais, on n'est pas malade, puis je vais avoir le temps de récupérer. Mais là, non, j'ai le nez bouché, j'ai mal à la gorge, c'est le fun, je commence un rhume. Fait qu'arrête de parler, ça. OK. Garde ta voix. All right, Alex et Val, bougez pas, on arrive dans pas long. Every relation is a struggle these days. Try to keep them alive, but we throw them away. De route plus tard. On est arrivé. Oh! Comment ils ont l'air contents. Monsieur Bond est très content de vous voir. Vas-y, monsieur, à l'attaque. On restait surpris. On vous attendait pas? Oui, toi, es-tu content de nous voir? Moi, oui! Ça va? Les fesses. Oui, non. Ah, non! Hey, en plus, j'ai comme... Mais moi, je suis pas rhumé. Ah, ça va, Norm? Eh oui, ça va. Ouais? Ça, c'est votre chambre pour la soirée. C'est room tour? Room tour! Room tour! Wow! Ben, c'est ça, le room tour est fini. C'est le room tour le plus cool de l'histoire. C'est ça. Fait que c'est ça, à soir, on dort ici. Alex puis Val, ils nous prêtent la micro... micro mini, t'appelles ça? Micro mini, j'appelle ça. Puis vous nous chargez combien pour ça? C'est 0$ plus taxe. 0$ plus taxe. Fait que ça, au Québec, à 13%... Ça reste zéro. Ah, ça reste zéro. OK, c'est bon. Bon, c'est quoi les plans, là? En ville, on sort à soir. On s'en va au Dagobert. Au Dag. On s'en va au Dag. Chez Maurice. Ça existe encore chez Maurice? Je sais pas. Ben, on est rendu vieux, nous autres. Chez Maurice. Je connais ça, moi, c'est le premier bar que je suis allé illégalement. Oh. Ah ouais? Ouais. Oh. Et le Dag. Moi, il est fermé. Je suis allé au Dag. Bon, mais on va aller le réouvrir. Et Val, c'était-tu bon dans le bedon? C'était très bon dans le bedon. C'était bon dans le bedon! Là, on s'en va où? On s'en va à la cour arrière du Festibiaire. Cour arrière du Festibiaire. Dans le fond, on s'en va se mettre les pieds dans une piscine que tout le monde mette leurs pieds pour boire une bière. C'est ça? Mmh. Exactement ça. On va avoir les orteils frippés! Ça dépend combien de bières on prend. Juteux. C'est moi les pieds dans le Hey, moi, faut que je coupe mes ongles d'orteil, je peux te faire ça dans la piscine? Ah, ouais, mais ça. Oh, ouais, il m'a dit comme ça. Ouais, appelez-moi Alexandra. C'est pas chaud, chaud, pas chaud, chaud. Que toi, on peut t'appeler Alexandra? Et que c'est prête! Oh, non, ben non, c'est pas vrai, voyons donc.
Je la trouve pas drôle pendant toute celle-là. Alexandra, par exemple, good one. Cheers. Pourquoi t'as rien à boire, toi? T'es-tu enceinte? Je sais pas avec Alexandre. Elle parle pas des rumeurs, toi. Ah, vous êtes cheap, fait que vous partagez une bière. Mais non, on veut pas. MJ, elle prend rien aussi. MJ? Deux coupes de cheap. MJ, c'est parce qu'elle est droguée. J'ai trop pris de médicaments. J'ai du gin à la maison pour toi, MJ. C'est ironique, j'ai pas bu un rum and coke à la Barbade. C'est une place de rum and coke, je sais pas. C'est une place de rhum. C'est là-bas qu'il faut pousser le rhum et le coke. Ils font pousser le rhum là-bas. Ah, les bouteilles de coke, ça pousse. Ok, bonne nuit là. Ciao là. Bye là. Salut là. Salut. Salut. That's it pour nous. On est installés pour la nuit dans la deuxième roulotte d'Alex et Val. Qui, en passant, est officiellement à vendre. Fait que si ça vous intéresse d'avoir cette petite roulotte, ben allez sur la page de Prêt pour la route. Puis toutes les infos sont là pour communiquer avec Alex Pivard. C'est une belle petite roulotte. Belle petite roulotte. Confortable. Confortable. Très confortable pour travailler. Comment tu te sens, toi? Moi, je me sens comme j'ai besoin d'aller me coucher. Ouais, hein? Alright, fait qu'on se laisse là-dessus. Demain, on poursuit notre road trip. Fait que laissez un like sous la vidéo sur notre page si c'est pas déjà fait. Puis dans les commentaires, dites-nous si vous êtes déjà tombé malade en voyage. Alright, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! Oh! Je me suis cogné le petit doigt en disant bye! 2 Bound. Bye Snoopy. Bye bye. Bye Valérie. Bye. Bye Alex. Salut. Bye MJ. Non, je viens avec toi. Ah non, c'est vrai, tu viens avec moi. Depuis, il était comme moi. Oh. On n'avait jamais pratiqué ça. C'est nouveau, là. C'est nouveau. Moi, je savais pas le style de la twist. Ah, moi non plus. C'était live. Je l'ai improvisé.